Bonjour à tous, je suis un de Trognetic, le créateur des Epic Pixel Battle, et voici toute mon équipe. Ici Standus, le compositeur. Ici Mad Stalker, Saint Seiya, les dessinatrices et doubleuses. Et lui, c'est Smash. Bonjour. Il fait le mixage son, c'est grâce à lui que le son est aussi bon. Et voilà, nous sommes à la Retro Medinasia. Bienvenue à tous. Du coup, comme ça, c'est bon ? Comment on commence les Epic Pixel Battle? Bah c'est simple, en fait il y a 4 ans environ, sur ma chaîne personnelle à l'époque, bah j'étais très fan des Epic Rap Battle of History, et puis je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire une petite parodie, donc j'ai commencé à faire un petit Epic Pokémon Battle à l'époque. Epic Pokémon Battle. 1, 2, 3, Lunatic. Contre Montagnard Luigi. Go! Et j'ai trouvé ça rigolo à faire, j'en ai fait un deuxième, un troisième, puis j'ai été jusqu'à 10 battles. Et à cette époque-là, bah, je commençais à travailler avec les Vox Makers. Et je me suis dit, bon, bah, après 10 battles comme ça, un petit peu private joke, juste pour moi et ma petite communauté, autant passer à quelque chose au niveau supérieur, faire un truc un peu plus général. Et donc j'ai commencé à faire les Epic Pixel Battles chez Vox Makers, et c'est comme ça que le projet est né. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait 2-3 ans qu'on fait ça, et troisième saison déjà. Ok, vous êtes prêts? Ouais! Bienvenue mes beautés pour cette nouvelle émission. Notre challenge aujourd'hui est plein de détermination. Partout de la chasse, tu es en sens et il est temps de faire des gens pour de bailler l'état. Passons nos gens, tu as l'air prêt d'avoir fini. C'est qu'est-ce que tu es, car avec toi, tu es qualité. Mais on aura d'amour, après tout plus la vie. Tu peux y aller, je suis un dieu, je suis même pas. Est-ce que c'est ton fils, ne va pas suffire, je te en qu'est-ce que tu dis. Je vais torturer, laisser faire une par un gosse. C'est bon, parce que t'as tout à commencer, la comme tu fais tout à calcul à 6. Je suis encore plus calme, je les pointe sur mes talons. N'importe quel démon, j'en fais mon étalon. Quand j'ai commencé les Epic Pixel Battle, à la base j'étais tout seul, j'avais fait l'instru, tout seul, c'était vraiment handmade. Puis lorsque j'étais chez le Voxmaker, j'ai rencontré Tai Shindehai avec qui j'ai travaillé pendant 2 saisons. Puis maintenant j'ai ma propre équipe que vous avez vu tout à l'heure. Au début, chez Voxmaker, j'ai rencontré Saint Seiya Mad Stalker qui avait commencé à faire les dessins, et en fait on a bien aimé travailler ensemble, donc on a continué à faire les dessins. Et maintenant elles m'ont rejoint aussi pour faire le doublage. Et en commençant la troisième saison, j'ai eu besoin d'un compositeur, donc on a fait un grand casting et j'ai fait la rencontre de Standusk. Tout de suite, ses musiques m'ont plu, j'ai eu envie de travailler avec lui. Puis enfin, on avait une connaissance, Smash, qui s'y connaissait bien en mixage son. Donc on s'est dit que ce serait pas mal de travailler tous entre amis comme ça. Et c'est comme ça qu'est né le groupe, tout simplement. À la recherche d'anciennes polycaptèques, pas d'une gamme Michel ou à tête de pastèque, les rails matueurs à genoux, qui porte encore la coupe au vol, vite par à l'aventure, tu seras en retard à l'état, ton meilleur ami est en train, je suis mal avec ton sac à dos, la pauvre fille, elle ne t'a pas fait de cadeau, je suis une égérie, on est riche, t'es tatu à mon épiche, même au cinéma, ça qui joue mon relais, joli, tu fais passer les enfants pour des chénies. Pourquoi tu réussis un truc, tu chéris? J'ai mis tous les joueurs à mes pieds de la beauté, je suis l'allégorie exploratrice, je fais le rire dans la même catégorie. Les enfants, j'ai d'or besoin de... Alors comment se créer un Epic Pixel Battle? Bah en fait c'est en plusieurs étapes. Déjà, il faut commencer à trouver le battle, donc on regarde parmi les commentaires les plus populaires généralement, et on regarde ceux qui nous plaisent en même temps, parce que bien sûr on prend ce qui est populaire, mais aussi ce qui nous plaît, ce qui nous donne envie, parce que le but d'une vidéo YouTube, je pense, c'est que ça plaise aussi à l'auteur et à tous ceux qui ont travaillé derrière. Donc voilà, on fait un mix entre ce que les gens veulent et ce que nous, on a envie de faire, et ça donne du coup un battle qui est plein de bons sentiments.
Et du coup, ensuite, on a besoin donc de commencer par trouver des informations sur les personnages pour pouvoir écrire le texte ensuite. Alors, généralement, c'est moi qui écris le texte avec l'aide de quelques acolytes. Et à côté de ça, Stan doit faire la musique de son côté. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, Saint Seiya et Matt Stalker font les dessins de leur côté. On s'enregistre, puis Smash mixe toutes les voix enregistrées avec la musique de Stan. Et enfin, passe le moment le plus dynamique, c'est pendant une semaine du montage non-stop pour faire le visuel final que vous voyez dans les vidéos. Et voilà, vous avez à peu près toutes les étapes, quoi. C'est un processus qui peut durer entre un mois et trois mois, quoi. Ça dépend vraiment du battle, de la difficulté à le faire, parce que parfois les personnages sont difficiles à faire rapper plus que d'autres. Puis il y a la créativité, tout ce qu'il y a derrière, on a une vie à côté, donc on essaye de mêler ça comme on peut. On est un groupe de 5 personnes, il faut gérer ça, donc voilà. Alors concernant YouTube, c'est vrai qu'en ce moment il y a eu pas mal de débats, pas mal de gens qui ont commencé à dire il y en a marre de YouTube et de tout ça. C'est vrai que les problèmes de monétisation sur YouTube, ils sont présents. Il faut savoir que nous on fait des vidéos qui font 1 million de vues à peu près, un petit peu plus avec le temps. Et on pourrait se dire ouais 1 million de vues c'est incroyable, ils doivent gagner énormément d'argent. Mais le problème c'est qu'on est une équipe de 5 personnes. Aujourd'hui c'est des vidéos de 3-4 minutes, donc il y a le temps d'une seule pub. Donc on fait vraiment peu de monétisation au final. Du coup tout ça, oui, ça nous a pas mal affecté. Les Epic Pixel Battle, en fait, pour être honnête, ça rapporte vraiment pas grand chose sur internet, sur YouTube. Et du coup il a fallu trouver des alternatives comme par exemple le Tipeee, les ventes en convention, tout ça. C'est grâce à tout ça en fait qu'on arrive à réellement se trouver une petite paye pour toute l'équipe, car encore une fois on est 5 dans cette équipe et il faut pouvoir rémunérer tout le monde. Donc ouais, YouTube en ce moment, c'est vrai que si on devait compter que là-dessus, bah, on serait carrément pas vraiment payé, quoi, pour être honnête. Qu'est-ce que c'est que ça? Pitch est déjà arrivé? Oh, mais qui t'es-tu toi? Mais tu veux, papy, tu veux rejoindre les rangs? Oui, t'as cette tête chômée avec les coups, cool, hein? Hein? Quoi? C'est que maintenant, très meilleur? Désolé, mec, mais ta place, c'est meilleur! Mais dis-moi, tu t'es modifié depuis 12 ans? Dans plus de 100 ans, le seigneur des ténèbres contre le roi des imbéciles. Laisse-moi tirer ma triforce, ce sera trop facile. Une tortue, quelle tortue, ça va être long. Attends, j'appelle un plomb, viens en péter un plomb. Dans le roi, le roi des champs, les champs n'ont pas de place. Bah mon message pour les fans, déjà, merci beaucoup, merci pour ces 3 ans à nous suivre, à nous soutenir, à être de plus en plus nombreux. À chaque fois qu'on va en convention, on découvre de nouvelles personnes, de nouveaux visages, et de plus en plus de visages surtout, ça fait vraiment plaisir. Et concernant l'avenir, c'est toujours difficile de prévoir en fait ce qu'on va faire sur YouTube, sur Internet, tout ça. Mais moi, tout ce que j'ai envie, c'est de continuer à faire un maximum de concerts, donner un maximum de choses. Et voilà, j'espère que vous serez toujours là pour suivre, que vous kifferez toujours autant. Et voilà, que de... Je sais pas quoi rajouter d'autre. Stan ! Stan ! Simplement je te dis que je t'aime. Vous êtes chaud ? Je pense pour me battre, 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 je pense pour me battre
Thank you.